L'expérience scientifique. En 1983, une équipe de scientifiques a monté une expérience dans le but d'entrer en contact avec Dieu. Ils pensaient que nos sens bloquaient le contact possible avec l'au-delà. Ils décidèrent alors de retirer les cinq sens d'un cobaye en lui retirant toutes les connexions nerveuses afin qu'il ne puisse plus voir, goûter, sentir les odeurs, sentir la douleur ou entendre. Au bout de 4 jours, l'homme qui parlait à haute voix en prononçant des phrases parfois incompréhensibles, puisqu'il ne s'entendait pas, commença à entendre de petites voix dans sa tête, mais sans comprendre ce qu'elles disaient. Les scientifiques pensèrent à ce stade qu'il s'agissait d'un début de psychose. Le 6e jour, il déclara pouvoir entendre la voix de sa femme décédée. Les scientifiques furent convaincus de la véracité de ses propos lorsqu'il évoqua les noms de leurs proches disparus. Après plusieurs semaines, l'homme devint agité, dérangé. Il disait pouvoir entendre des centaines de voix. Il se mit à crier « Pas de paradis, pas de pardon !» et chercha à se donner la mort en s'arrachant plusieurs morceaux de peau. Les scientifiques pensèrent qu'ils étaient proches de communiquer avec Dieu. Ils l'attachèrent donc à un lit. L'homme pleura pendant des semaines. Un jour, un scientifique vint s'asseoir à côté de lui. Le cobaye tourna la tête vers lui et dit « J'ai parlé à Dieu et il nous a abandonnés. » L'hypnologie. Cette histoire se déroule en Russie dans les années 40. Des chercheurs ont tenté de maintenir éveillés pendant 15 jours, à l'aide de gaz stimulants, 5 prisonniers politiques. Ils étaient enfermés dans une chambre sans fenêtre, avec seulement des micros à l'intérieur pour les écouter. Durant les 5 premiers jours, les prisonniers se racontèrent leur passé. Rien d'anormal n'était à signaler. Puis, le 6e jour, les premiers signes de folie apparurent. Un des prisonniers courait dans la pièce en criant pendant que les autres parlaient au micro en murmurant. À partir du 10e jour, ce fut le silence total. En analysant les consommations d'oxygène dans la pièce, les chercheurs ont pu prouver que les sujets étaient toujours en vie et éveillés. Les micros fonctionnaient toujours. Les scientifiques passèrent alors un message dans la pièce. « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte ou vous serez abattu. Si vous respectez cette règle, l'un de vous sera libre. » Et contre toute attente, une voix leur répondit « Nous ne voulons plus être libres. » À la fin de l'expérience, au bout de 15 jours, la pièce fut ouverte. Les chercheurs découvrirent une pièce tapissée de sang, de morceaux de chair, et un des 5 sujets morts. Les autres se mirent à crier, suppliant pour qu'on remette du gaz stimulant. Les chercheurs et militaires finirent par les maîtriser, et le seul survivant fut attaché à une table. Lorsque les chercheurs lui demandèrent ce qu'il était devenu, il répondit « Nous sommes la folie qui est cachée en chacun de vous. Nous sommes ce que vous réduisez au silence quand vous vous endormez. Nous étions si près d'être libres. »